Dans la musique de Wyatt, il y avait quelque chose qui m'intéressait parce que il est au carrefour de plein de musiques, mais sans que ce soit trop réfléchi, au carrefour de la pop, du jazz, il expérimente avec plein de choses. Donc ça, c'était aussi quelque chose symboliquement qui m'intéressait par rapport à la démarche du nouvel orchestre et tout ça. Dans la musique de Wyatt, c'est comme quelqu'un qui jette des idées et qui termine pas forcément, qui ne verrouille pas. Et donc il y a des morceaux qui sont très pensés, très finis, et puis d'autres qui on trouve beaucoup d'espace. Et c'est à partir de ces espaces que je trouvais que c'était intéressant de recréer un univers à nous, en collaboration avec Vincent Artaud qui a fait les arrangements sur ce projet. C'est que en fait, pour avoir fait beaucoup de disques, soit en tant que bassiste, soit en tant que réalisateur, j'ai été souvent frustré un peu par l'idée qu'on fait venir la voix au dernier moment. Donc j'ai demandé à Robert Wyatt, à Camille, à Yael Naïm, à Arnaud, à Daniel Darc et à Rocky Traoré et à Irène Jacob d'enregistrer juste des piano-voix comme inspiration pour les arrangements qui ont été faits pour l'orchestre. Il est basé sur un son de groupe, sur le fait de trouver une identité d'orchestre très forte, et il est moins basé sur des performances individuelles comme on peut les développer parfois dans des orchestres de jazz. Et donc c'est vraiment l'idée de mettre ensemble des gens qui n'ont pas forcément la même histoire et pas forcément la même vision du jazz, qui eux-mêmes pratiquent à la fois du jazz, de la pop, de la musique électronique, qui sont multi-instrumentistes, qui ont des points de vue très différents sur les uns des autres et sur plein de musiques différentes, et donc de fédérer cette équipe autour de quelque chose de très focalisé comme ça autour des voix. Donc en fait l'idée c'était un peu d'être intimidé par ces mélodies, par ces voix, et de justement créer une espèce d'écrin avec un vrai son d'orchestre. Là, en fait, il a été conçu parallèlement aussi bien pour le disque que pour la scène. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est donc d'avoir ces voix un peu comme des espèces de fantômes autour desquels nous, on crée notre univers. Alors à la fois en studio, quand on a enregistré le disque, on a fait comme ça, on avait les voix et puis on brodait notre musique autour. Et sur scène, on fera pareil. Les voix, elles vont surgir de nulle part, comme ça. Et ce sera une espèce de rencontre entre ces voix fantômes et un orchestre avec un son spécifique.
et tout ça mis en espace par des images qui seront créées par un vidéaste qui va travailler autour de ça. J'ai beaucoup le souci de réfléchir un peu à des nouvelles formes scéniques, à pas simplement présenter un orchestre qui va jouer, faire des solos, etc. Même si ça m'intéresse aussi, mais de réfléchir aussi à d'autres profondeurs de champ. Donc on peut envisager de mélanger l'image avec la musique, l'électronique avec l'acoustique. Enfin, il y a plein de mélanges qui sont intéressants à faire, à la fois sur disque et sur scène. Ce projet, il a été conçu pour ça. Compromise, you are master of your endless gentle nudging, left us polarized. It's hard to talk to enemies. We are